était contre insécurité qui voulait installer dans tout pays a paquet au caille la police ensemble avec diverses autres institutions tant que la mairie ministère environnement hier j'ai dit à mesdames mademoiselles et messieurs crasé deuxième fois ghetto qui était dans bloc police lettre entre ville au caille mesdames mademoiselles et messieurs commissaire gouvernement au caille là maître Richemont fait qu'on est après ghetto terrain caille Jano et bien week-end passé a rien pas campé lui a continué démanteler toute base dans juridiction que l'a dirigé si tout bidonville yo côté yon équipe bandi si tout courir al caché après au fin commettre malhonnête. Il y a 4 ghettos pour Pipiti qui déjà dans agenda la police ensemble avec la justice pour craser. Responsable télévision Canal Bleu qui c'est Robert Denis, nèg exam te kidnappé devant la Kaili dans date qui était 11 avril 2021 sous route frère joindre libération hier jeudi 20 avril là après le film passé plusieurs jours dans mes kidnappé yo mais condition libération PDGA toujours été inconnu. Quel que soit propriété était cap enfermer moun kay pour première fois gè pour obligation informer administration communale ville au kay sous identité moun sa sinon eh bien propriétaire a tombé en bas sanction la loi pour complicité décision ça prend après yon rencontre en diverses entités dans l'état dans troisième ville pays ya y a mercredi 19 avril là pour combattre phénomène insécurité dans région yon décision qui joint support délégation SID mairie Okaï paquet ensemble avec la police nationale dans SID en pile zone dans commune Pétionville takou Meyot Kakolette ensemble avec route frère levé sous tension peuple haïtien hier jeudi à cause nèg exam qui fait partie de groupe Vite l'homme a dirigé pas suspend si mais la troublaille dans zone si là pour yo empêcher population et bien vaquer ensemble avec activité habitant dans zone ça mandé la police pour prendre responsabilité pour traquer bandi ça yo plusieurs moun blessé dans attaque ça yo parmi yo yon élève qui prend balle dans pied. Président conseil municipal commune Cabaret qui c'est Joseph Janson Guillaume fait qu'on ait plus passé une vingtaine moun qui mouri sans compter blessé dans attaque nèg azam fait dans zone sous matla hier mercredi 19 avril là d'après autorité communale la situation a pas changé après 24 heures de temps bandi azam toujours gen contrôle zone nan et puis activité yo paralysé pendant toute journée jeudi li mande assistance l'état ensemble avec communauté internationale là pour éviter pita pitris nan commune Cabaret pour plus de détails en tant de responsable là nan micro tac 509 nous avons un cabaret parce que nous avons et nous disons jusqu'à présent nous avons un bilan définitif. Nous avons un bilan de tout le monde mort, tout le monde blessé. Et peut-être que tout le monde est mort, nous ne connaissons pas la situation exacte. Et jusqu'à présent, la situation est détendue toujours dans un an. Il n'y a pas de, pour la police de nouvelles dispositions pour vraiment nous capables de permettre que ce soit là capable de et normalement, il y a force de bon char, il mettre un char en plus, mais ce n'est pas encore suffisant. Et par rapport à ça qui est sorti, monsieur est arrivé et prend le large dans la troisième section ce matin-là. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de contrôler la troisième section. Et dans le cas de tout, quand j'aime toujours seulement demander de déposer les armes. Et là, il y a des gens qui cabaret, qui ont cabaret, c'est toujours. Et même, il n'y a pas de cabaret tout. Et m'a demandé tout le monde bien les âmes dans le de manière illégale. Et poser les âmes en pas chemin dialogue, en pas chemin la paix, en passer la paix pour payer. Et le moment qu'on a parlé, on a parlé à l'école. Marché, pas de marché également, c'est pas très faible. Et bon marché qui dans notre ville là, et notre mandamien a eu les communes, et marché chili, il n'a pas fonctionné du tout matin. Hein. Pas de marché, l'école au point mort parce qu'il y a des compagnies. Général au niveau de cette ville-là, c'est la plus folle école. Et nous croyons que c'est un pile de dégâts qui fait, malheureusement, parce que nous avons des gens qui sont filles qui ont monté tête de niveau pour eux, qui ont été professeurs pour eux. Et la situation est vraiment grave. C'est pour ça qu'on a pris de la paix. Et on a pris de l'État, il prend soin des cabarets et pas de sécurité. Sinon, la communauté internationale font bagaille pour nous parce qu'ils ne sont pas capables encore. Les cabarets sont beaux communes.
agricole et industrielle, les moulins campés, partout au global, à bataille un petit peu, mais nous, si on a là, presque campé. Et puis, pour dire qu'on a bien au niveau de la commune de Cabaret, on n'a pas qu'à quitter la commune. Non. Actuellement, chargé camion là, qui chargé vivre alimentaire et autres qui campé, qui n'a pas qu'à avancer. Et nous demandons quel est le responsabilité, et n'a pas demandé des amis et tout. Pour l'autre route, c'est la paix, et pour les amis, diverses communes fonctionnent normalement. Encore une autre fois, mesdames, mademoiselles et messieurs, sous ce matelas, levé sous tension depuis hier jeudi, eh bien, nèg aksam nan kanaran envahi zone. Yo a tiré en pile et non seulement ça tout boulé en pile caille pour citer ça seulement face ensemble avec situation ça si là yo qui rete dans zone obligé courir quitter caillou pour yo échapper en bas dife en bas bal bandi et bien gagne plusieurs dizaines moun qui t'a courir quitter sous ce matelas qui a prend refuge dans localité mairie Akaya citoyen ça yo fait connait gagne plusieurs moun qui mouri ak bal sans compter quelques l'autre yo coupé tête yo citoyen sa yo mande se kou l'état haïtien fòk nou di jounen jodi a eh bien bandi nan kanaran okipe sous matla moun ki blessé pa ka soti an koute eh bien déclaration kek victime. Tout simplement, moi, en étant de tirer, moi, levé couri. L'aime levé couri, monte nan tête, mon an lè bon antenne. Kon y a la moi, se di fe, ka pran sou bon bas. C'est pas dans mauvais gon la pour dire moun yo pas été sorti gè ki n'est pas 13 moun ki mouri gè moun yo coupé tête yo moun gon messe ensemble avec le matin moi wèl li di m kon sa li pou bal flotel sou do pi égal depuis y a m fon journée m'ap marcher dans soleil même manger m pa chanm dormi même depuis y a pou jusqu'à maintenant c'est atterrement ni quoi matériel la m pa konnen ça m pa konnen rien même on est dans tant de tir tout bagage nou te gè nou t'ap vann. Tout rete nan mache a men, menman yem pa getan pou. Son moun ki bon rad sa la mate, yem mette sman, yem pa pou piès pa, nou pa pou. Anke nan yem, menm ki vle tout bagay boule, gen moun yo di yo touye, yo coupe tèt yo, nou gen fami, nou poko chanm kapab. Pandan nou nan route, nou tande yo di gen pil moun ki mouri, men nou pa konnen, pase nou te al kabare, pou nou wè, si nou ta rive la kay nou, nou pa ka rive, nou retoune ankou. Nous tout pas arrivé même côté parce que le courrier a fait là chaque monde nos activités différentes parce que nous pas attendre si ça t'a venu à la vérité nous t'ai gain résistance nous t'ai gain quelques monde dans zone là qui était toujours motivé pour faire brigade pour gérer zone là mais ça arrivé dans l'heure que on dit mon yo venir moi pas wel non mais j'ai dit mon yo venir sans cours en surprise yo ba yo juste tout monde t'ai prendre en quoi et puis ça arrivé fait mais si me dit t'ai gain en pile résistance pour ça pas arrivé fait nèg zone nan goumen en pile pour ça pas arrivé fait mais malheureusement ça vient arriver en pile monde victime nous pas gain temps prendre pièce nous pas gain temps prendre rien nous pas gain temps prendre rad tout petit monde nan men nous donc nous presque pas connait qui ça pour nous faire moi gain nouvelle yo en partie parce que moi gain nouvelle petit monde yo m'pa gain nouvelle Maria même monde dans zone la caille nous yo dit gain qui blessé gain prend balle gain qui mourir donc nous pas nous pas vraiment connait comment ça y est parce que nous pas gain téléphone. Côté nous te quitter téléphone nous pour prendre charge dit nous yo brûler kay moun sa o donc nous pas gain nous presque pas gon contact nous presque pas gon recours qui donc c'est seulement bon Dieu n'a compté sur lui pour nous qui ça bon Dieu qu'a fait pour nous. Bon mon cher pour vous dire avec tristesse nous obligé déplacer parce que les nous apprendre rumeur là et que nous défèlement population à petit sous matelas pour que pour entrer cabaret par prudence nous-mêmes nous nous mettons bien à l'abri ici à Akaye. C'est vraiment triste pour nous, les gens qui ont parlé comme ça dans le pays, pour ne pas freiner le phénomène ça, qui décapitalise la population, touiller la population. C'est ça que je veux dire. Les familles, je ne veux pas amis, parce que moi-même, non, au préalable, je suis en pleine. C'est après l'affrontement, monsieur, toujours, je suis venu à Cabaret. Donc, il y a même dans le pays. Autorité, bon, moi, je ne veux pas dire rien. Autorité, on est livré, d'accord? Je ne sais pas si des autorités. Parce que si des autorités, je ne sais pas si là trop longtemps, ils t'habitent éradiqués, ils t'habitent stoppés. Okay? Parce qu'une route nationale n'est pas bloquée. Okay? Depuis le temps, il n'y a aucune force qui est pouvoir légal pour camper en face, monsieur.
Avocat cap défend direction centre réception ak livraison document identité dans Saint-Marc yo dénoncé un complot quelques dirigeants politiques ak plusieurs membres organisation dans société civile là a manigancé pour attaquer administrateur boîte là qui c'est Castel Estilus dans sens ça maître Germain lui ensemble avec maître Dor Saint-Jean Kens de parmi avocat administrateur déposé yon plainte contre X nan parquet juridiction Saint-Marc la journée qui était 20 avril la yo fait konnen de plaisir rencontre qui déjà planifié pour tatouye client yo Germain lui ak Dor Saint-Jean Kens té nan micro tac 509 dans quatre conférences nous autres l'équipe juridique de CRLDI spécialement de l'administrateur de cette boîte, à savoir Castel Estilus, matin nous réunis. Nous réunis pour nous attirer l'attention de la population sur deux points essentiels. Premièrement, c'est pour nous parler par rapport avec deux invitations que nous avons recevoir. Premièrement, il y a une invitation du parquet de Saint-Marc, côté que Castel Estilus et Wachimi, bien-aimé, ont fait objet de l'invitation. Donc hier, nous autres, en tant que défenseurs, en tant qu'avocats, nous étions présents. Mais malheureusement, la partie demanderesse n'a pas été présente. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la partie demanderesse n'a pas été présente. Donc ce que nous faisons, c'est que nous joignons avec le commissaire du gouvernement, nous disons, nous te recevons une invitation. Nous accompagner les clients nous, parce que nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais malheureusement, les gens qui ont invité nous ne sont pas présents. Donc nous voulons attirer l'attention de la population sur ça. Deuxième bagaille que nous voulons attirer l'attention de la population sur lui, c'est par rapport avec l'invitation que nous recevons au niveau cabinet d'instruction. Donc, Wachmi bien-aimé a invité cabinet d'instruction pour mercredi 19 avril de cette année. Donc, par rapport avec le directeur qui est en déplacement, nous sommes présents au niveau du cabinet d'instruction, côté que nous demandons le jugement un report. Ce qui a été fait, donc, le report c'est pour 3 mai 2023. Donc, ça, nous voulons attirer l'attention de la population. Deuxième bagaille qui est d'une grande importance, que nous voulons attirer l'attention de la population, depuis la persécution, ça a commencé contre les personnels de cette boîte, nous ne pas suspendre recevoir des menaces. Et lundi pour arriver, mercredi soir, nous recevons en pile menace. Et jusqu'à cette présente minute, nous n'avons pas identifié exactement les gens qui ont menacé nous. Mais en tant qu'avant-gardiste, en tant qu'homme de loi, donc nous faisons ça la loi mandé. Nous déjà porté plainte au niveau parquet. Donc pour que la justice fasse ce que de droit. Donc attirer l'attention population pour nous dire que nous-mêmes, en tant que personnel au niveau de cette boîte, nous n'avons pas de problème avec personne qui a toujours de grief, qui a toujours de bagaille contre boîte. Non. Donc, l'organe, ce n'est pas chercher persécuter personnel, c'est faire ça que la loi a demandé pour faire. Donc, si que c'est persécution politique qui a fait, si que c'est persécution contre personnel qui a fait, donc en pareil cas, nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous faisons ce que la loi dit pour nous faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tête collée, petit paysan, continuez à dénoncer façon paysan, puis continuez à être victime dans la commune Mori. Eh bien, jusqu'à présent, famille, avocat, paysan, pas jamais qu'à joindre un cadavre pour enterrer. Quand on a tête collée, petit paysan, Origène lui, continue à dénoncer magistrat commune Elise Blaise, dans tête collée ensemble avec bourgeois dans zone ça, qui installe bandits dans la localité ça pour capable prendre tête paysan. Origène lui, t'es dans micro, tac 509. Bourgeois qui mettait ensemble avec Elise Blaise pour yo capable. Et pour yon capable retirer terre nan men paysan yo nan Mori, yap chaque jour yap goumè pour yon pousser paysan yo pi wo pour paysan yo pa mette pied sous terre Mori ya sous terre Mori paysan yo genyen en façon pour yon capable et joindre terre pour yon continuer faire ça yo vle pour yon continuer faire ça yo vle la dan. C'est depuis longtemps yap nuit. Il y a nuit, il y a persécuté paysan yo sous terre malgré résistance paysan yo a fait, mais c'est depuis longtemps. Dans année ça, depuis avant 12 mars
Élisée Blaise, qui est magistrat communal Montria, il mettait ganglia en action pour persécuter paysan yo, pour veiller même passage paysan yo, pour paysan yo pas, pour paysan piat yo pas ka passer aller Saint-Marc. C'est pas même jardin paysan yo obligé à pas abandonner, yo pas ka arrêter travail dans jardin parce que yo après le prend yo dans jardin. Yo pour montrer paysan yo que yo ka prend yo dans jardin, jardin paysan yo gagne yo taille yo depuis avant 12 mars yo commencé taille jardin paysan yo et rivé journée jodi a depuis 6 avril qui s'est passé là gain persécution vin pi grave dans commune Monri côté yo a taille jardin paysan yo y a volé bête pour rivé jodi a nous pas ka di ki quantité tête bête paysan yo volé et gang Élisée Blaise là mettez a volé. Nous pas connaît yo taillé plus que 50 jardins banane paysan yo ak papay paysan yo gagné en sous terre yo brûlé plus passé 40 caille paysan yo et paysan yo pas capable traverser pour aller Saint-Marc y a veillé paysan yo dans machine pour prendre yo pour touiller pour briller yo c'est ça que fait un avocat qui t'a défendre paysan piat yo briller yo tout yo prend avocat qui t'a traversé pour te venir Saint-Marc yo prend avocat yo touiller yo briller là avec toute machine non jusqu'on y a famille pas joindre corps pour yo faire funérailles li. Plusieurs jeunes garçons tant qu'ou femme dans quartier Bretaille 1 dans Gonaïve levé voyo pour yo dénoncer quelques moun sur route bassin qui t'a fait la police quoi yo ces bandits. Jeune si la yo qui senti la vie menacé face à situation rejeté accusation ça yo. Yo fait dans zone nan, yo grandi dans zone nan, pas gè raison pou yo ta vinn bandi pou yo commettre zak malhonnête nan quartier yo. Déclaration jeune sa yo ki mande commissaire gouvernement ak la police nan cité indépendance lan pou pran tout disposition pou tabli yon climat sécurité nan bloc si la. M'ap invité ou koute kek nan yo nan micro correspondant nou ki se Mackinson lui depuis Gonaïve. Bon, nous même nan mande avec la police. Et normalement et ça yo attend ba konnen ça yo attend ça attend ou bien ça vin ça di yo de Bretaille 1 de jeune dans Bretaille 1 li pas ça oui parce que moi crois que tout jeune dans Bretaille 1 sont pas quelque professionnel oui nous même c'est travail nous même au lieu nous pas chercher un travail pour nous faire par jour nous habituellement des journées maçon sécurité dans pays nous besoin sécurité message pour commissaire gouvernement directeur police là directement. Bon, moi-même, oui, nous avons un message pour le commissaire, c'est ça qui fait nous venir la plus. Pour le commissaire avec le directeur, nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin de sécurité dans le pays, mais il ne faut pas cibler les gens qui ne sont pas coupables. Chercher les gens qui passent feu, et passer les gens qui passent feu. Yo pas loin yo connaît yo m'pa quoi c'est moun c'est innocent puis a fait payer comme coupable parce que comme quoi nous même nous pas travail pour ça comme nous pas travail pour ça parce que spécialement nous même avec toute famille nous pas à l'aise et me garantis nous même jeune garçon nous j'en parent nous travail là me garantis nous et nous pas connait combien victimes qu'a bien dans mitan nous parce que nous bouquer avec bagaille ça parce que nous même liberté nous même liberté Il y a dit nous, faut nous cacher, faut nous dire, faut nous date, nous pas comme ça. Parce que nous même nous vivons, nous on prend là. Si nous pas une justice avec ça, comme tous ces médias avec Radio Mega, qui cabane nous justice parce que pays a injustice. Parce que nous avons subi de ça, et ça fait jeudi à là, nous venons dans Radio Mega pour demander justice peut-être. Parce que c'est la radio qui cabane nous justice en Haïti. Parce que nous avons subi un peu. Il faut que nous connaissions tout le monde qui a Haïti, mais si vous voulez monter sur vous, Radio Mega, remercie. Nous remercions un peu de Radio Mega parce que nous n'avons pas l'autre force. Nous n'avons pas l'autre justice là même. Nous n'avons pas l'autre recours qui a fait un bagage pour nous, sauf Radio Mega.
divers dizaines moun nan commune Payan manifesté journée jeudi 20 avril là contre décision président commission commune Payan qui c'est Ronald Metelus pour révoquer 16 employés et remplacer yo Payon équipe l'autre protestataire qui en colère mandé ensemble avec ministère intérieur retirer Ronald Metelus dans tête mairie qui pas travaille dans intérêt commune. En coûte Jean Satayé dans micro correspondant nous qui c'est Henri Claude Clercin depuis commune Payan. Mesdames et messieurs, ministère Affaires sociales et travail lancé jeudi 20 avril la projet renforcement capacité intervention ministère Affaires sociales et travail pour yon mise en place communauté nationale pour combattre trafic moun dans cadre d'une cérémonie qui était déroulée en présence premier ministre Ariel Henry. Quelques membres gouvernement, ambassadeurs américains, recommandant la police là projet ça cap dire dès l'année pour un montant de 75 millions de goudes visé pour rendre opérationnel comité ça dans bataille cap mener pour croper trafic moun en dedans pays. Dans occasion premier ministre Ariel Henry réaffirmé volonté pour combattre trafic moun en dedans pays et qui représentait une menace pour société haïtienne nan, pour exercice 2022-2023 pour continuer capable remplir mission. Le premier ministre Ariel Henry en nous goûtel. Sur l'estimation mondiale de la Fondation Walk Free et de l'Organisation internationale du travail en 2016, plus de 25 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains dans le monde. Et le dénombrement des victimes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, montre que 51% sont des femmes, 21% des hommes, 20% des filles et 8% des garçons. Parmi ces personnes, 45% ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et 38% des travaux forcés. Les femmes, les enfants, constitue le pourcentage le plus élevé des victimes de la traite des personnes sur l'ensemble de la planète. Durant ces dernières années, le nombre de victimes ne cesse de croître. Il s'agit de nourrir fléaux qui sèment le désespoir et le deuil au sein des familles et auprès des catégories les plus vulnérables de la population mondiale. Haïti est malheureusement reconnu, selon plusieurs rapports, comme l'un des pays d'origine, de transit
et de destination de la traite et du trafic des êtres humains. Ceci constitue un obstacle de taille à la construction de l'État de droit. Fort de ce constat, l'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale ou au niveau de la sphère sociale, impose une réponse concertée, coordonnée, structurée, qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Autant dire que pour enrayer ce fléau, le premier pas réside avant tout dans l'éducation de la population. Cela facilitera une identification nette du phénomène par la société tout entière. Cela étant dit, le lancement du projet de renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail pour la mise en place du comité national de lutte contre le trafic des personnes, suivi d'un atelier de sensibilisation, d'information et d'échange avec les secteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des personnes, est une marque montrant que nous prenons la bonne direction. Le gouvernement entend faire de ce dossier l'une de ses priorités et prendra des mesures coercitives afin d'éradiquer cette pratique déshumanisante dans notre milieu. Nous réaffirmons donc notre volonté de la combattre sous toutes ses formes et sur tous les fronts. La persistance de cette pratique est une menace pour notre démocratie. Je tiens à rappeler que l'État haïtien a toujours accordé une importance particulière à cette question. En l'an 2000, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et en mars 2009, nous avons aussi adopté 3 protocoles additionnels, dont le deuxième vise à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants. Ça Ariel Touyel baka salina pour vie en Ariel gater kounya na protéger moun eh na bonne nouvelle l'agence ça on quitte ça là pour pas faire Nations Unies nan tête collée ensemble avec ministère planification et coopération signé yon cadre coopération Nations Unies pour développement durable en Haïti période 2023-2027. Oh my god, oh my goodness, c'est tellement cool. Nouveau chef binuan qui c'est Maria Isabel Salvador qui prend la parole pour première fois dans activité ça. Salier fort différents acteurs yon fait pour réaliser document ça qui trace route pour suivre pendant 5 l'année. Qui côté qui bon? Dans l'occasion ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, représentants spécial secrétaire Nations Unies prend engagement pour travailler dans tête collée ensemble avec gouvernement pour renforcer stabilité politique et bon gouvernance protégée. Ak fè promotion droit moun, préserver yon environnement pacifique ak stab pou peya. Lite nan micro, Josué Belamour. Cette position m'honore comme elle m'oblige. Bien que n'étant arrivé en Haïti que depuis dimanche, je mesure déjà la responsabilité qui m'incombe, les défis majeurs auxquels nous faisons face ensemble, mais aussi les opportunités immenses qu'offre ce très beau pays. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total et entier afin d'assurer la mise en place effective du mandat de BINU et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui démontre la relation solide
entre les Nations Unies et les gouvernements. Je salue le travail considérable effectué par tous les partenaires afin d'aboutir à ce document ambitieux et nécessaire. Et j'apprécie la recherche systématique de synergie entre les priorités telles qu'identifiées dans le document par le gouvernement et nos partenaires et les différents mandats des agences des Nations Unies, y compris BINU. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, les bureaux intégrés des Nations Unies en Haïti s'engagent aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de BINU et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique. Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, nos activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. BINU sera particulièrement engagé à renforcer notre approche commune basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et la stabilité. À travers notre appui en conseil et nos bons offices, BINU travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, protéger et promouvoir les droits humains et préserver un environnement pacifique et stable. Niam, 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 les décisions. À la traque, vous l'avez kaite. Moko chan, moi, dirigeant, sous passe nous. Tout bagay pays a réglé net, ambassade Amérique, ambassade Canada, bi, tout toujours là. T'as qu'on nous, mais nous allons y priver. Nous pas qu'une vie privée, papa haïtien. Menti. Nous scandaleux trop. 4 coopérations Nations Unies pour développement durable en Haïti pour période 2023-2027 qui rive siè journée jeudi 20 avril là. Yon engagement système Nations Unies prend en faveur peuple haïtien. Yon, ministre planification Volet Delco à coopération peuple haïtien qui c'est Rika Pierre fait qu'on est tout acteur en vie nationale à tout partenaire international qui participait dans élaboration document ça après des ateliers qui réalisés dans tête collée ak coordonnatrice résident action humanitaire dans pays Rika Pierre lance yon appel by partenaire yo privilégier yon approche complémentaire dans international là pour maximiser satisfaction moun qui pi vulnérable yo en côté Rika Pierre. La cérémonie du jour ne répond pas seulement à un exercice de signature et d'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Il s'agit d'un acte d'engagement du système des Nations Unies à l'égard du peuple haïtien, auquel s'associe le gouvernement dans son ensemble. Tous les acteurs de la vie nationale ont participé au processus et ont conduit à l'adoption officielle de ce document. De concert avec l'équipe du bureau de la coordonnatrice résidente, 2 ateliers successivement réalisés ont réuni les représentants des institutions étatiques, du secteur privé des affaires, des ONG locales, du monde académique et culturel, du secteur syndical, des personnes à mobilité réduite et marginalisées et de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien. Cela témoigne une forte adhésion à cet instrument de coopération qui, j'espère, va opérer un tournant décisif en termes d'appui à un processus de développement inclusif en Haïti. Mesdames, Messieurs, sensibles aux conditions difficiles auxquelles fait face la population présentement, le gouvernement vient de lancer un programme d'apaisement social dont le coût s'élève à 21 milliards
600 millions de gourdes. Ce programme est mis en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail, avec la participation de plusieurs autres ministères. Il y a environ 2 ans, la péninsule sud a été ravagée par un tremblement de terre. Eu égard aux dégâts enregistrés et aux promesses faites, on est encore loin de satisfaire les besoins exprimés en guise de réponse. Le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, BRIPS, mis en place par le gouvernement suite au PDNA, réalisé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a reçu jusqu'à date un support financier limité de la part de certains coopérants que je remercie au nom du gouvernement. Par rapport aux besoins multiples auxquels est confrontée la population haïtienne, le gouvernement recommande vivement à ses partenaires de privilégier une approche complémentaire dans leurs interventions en vue de maximiser la satisfaction des couches les plus défavorisées et de ne laisser personne de côté. Nous devons tous être conscients des défis qui nous attendent dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre de coopération qui invite à la mise en commun des ressources de toutes parts en vue de combler les brèches dues au retard accusé par Haïti vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout en mobilisant ses propres moyens pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement compte énormément sur les impacts et les effets du plan cadre de coopération dont la mise en œuvre est tant attendue. Mon vilnera, bon ou tout vilnera, mon moun ki nan l'état pi vilnera, à la tracaboule avec Haïti, papa. Nous arrivons dans un moment où nous cherchons à investir, c'est besoin de pays pour l'investir. Si nous sommes après, c'est vite, tant que nous n'avons pas de plaisir, nous n'avons pas pour vendre, mais sans crédit. Nous chargeons richesse la donne, richesse grand volet, nous pas capable de finir dévasté. Nous avons misé pour madame, désormais nous avons quelques biens de table débarrassés. Ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, tout, nous plein trésor et tout dérangeons. La bonne yo ke kal, kon sa gen condition, tout fon acheter quelques sales, bam fon ti présenté ou, palais à plein saloperie, dérisoire pour tout ça que acheté. Nan palman plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que acheté. De se peji plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que acheté. Pimati plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que acheté. Tout très capitaliste, lisse. Ça fait même bio l'état pas vendre. Ou qu'a trouvé ça triste. Mais faut que nous vendre pour mettre manger en dandaï. Ou pas utile, non, c'est au capini, non. En pile dans yo, c'est au pen bakaini, non, c'est au caviline. Fait l'autre moun a pris, non, yo fait l'autre nation, peut décacher dans Figui, non. Kounyan sous gaz, nous bouquet surprise, ça son décision. Et plein l'autre salle. Sous les hachés, frère, pas poser une question. Là, on a plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Déjà, il y a plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Dans la douane, plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Il m'a dit plein saloperie, saloperie, dérisoire pour tout ça que j'ai acheté. Saloperie. Saloperie, 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 dérisoire. Tout le monde comme à la blanche, nous parlez de chanter, s'il vous plaît, saloperie. Saloperie, 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 dérisoire. Encore une fois, saloperie, 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 dérisoire. D'ailleurs, pas utile, non, c'est au capilé, non. En pile, non, yo, c'est au fait de ma caïne, non, c'est au cavili, non, fait l'autre mon apprin. Yo, fait l'autre nation, peut décacher dans Figui, non. Encore une fois, choral, moi. Saloperie, oui, saloperie, 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 dérisoire, plus fort, non. Saloperie, 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 dérisoire.